Alors, je ne vois pas, il fait très chaud. Je suis précisément à des bonhommes, vers le saut de mouton de des bonhommes. Alors aujourd'hui, jeudi, je vous le rappelle, il y a les élus nationaux et provinciaux de l'UDPS et alliés qui ont décidé de faire une descente sur terrain afin de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux des sauts de moutons dans la capitale. Ça, c'est pour répondre en tant qu'élu, peut-être un rapport aux assemblées respectivement nationales et provinciales, pour voir comment se déroulent les travaux. Les quinois se plaignent, trop de bouchons, lenteur dans l'exécution des travaux. Et voilà, ils sont venus voir eux-mêmes de Vuzu qu'est-ce qui se passe. La délégation est conduite par le député national, vice-président de l'Assemblée nationale, président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda. Ils sont de quel côté? Papimi? Voilà. Donc, voilà. Nous sommes... Alors, ils vont faire la ronde de tous les sauts des moutons dans la capitale. Première étape, oui. Première étape, c'est à Tchangou. Ici, c'est des bonhommes. Et nous sommes à l'intérieur. Après, il y aura certainement un rapport qui sera fait. Et voilà. Oui, bonjour mon frère. La TV, les réseaux sociaux. Il y a solo. Merci beaucoup. Très bien. Donc la délégation est là. Ici c'est à des bonhommes. Vous allez voir, il y a vice-président Jean-Marc Kabunda et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya. Le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Henriette Ouamou, la députée. Bonjour, bonjour. Donc c'était la première étape de la ronde. Bien évidemment, Yovanda Nachangou. Voilà, juste je suis le petit frère de Mani. De Mani Tangou. Je suis le président de la Ligue de Jeunes. Ah, d'accord. Mais, bétonne au moins les solos. Ah, c'est comment? Chaque jour, tu vas bouger, 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 tu v
Allons-y, tout en haut. Non, non, il y a Madame la journaliste. Oui, bonjour, monsieur. Là-bas, il y a Moussika. Ok, on va bien là. Voilà. Donc, ici, c'est des bonhommes. Après, rendez-vous compte vous-même. Je vous montre, s'il vous plaît. Prenez le micro. Quel bouchon! Donc, la ronde se fera comme ça, jusque vers un pompage, je pense. Alors là, c'est la première étape terminée. C'est justement pour se rendre d'abord compte, en tant qu'élu, qu'est-ce qui se passe sur terrain, pourquoi des travaux qui ont été lancés pour 6 mois prennent jusque maintenant 10 mois, alors que dans certains endroits, on est loin de terminer avec les sauts de moutons. Et c'est la population qui en pâtit, notamment les grands bouchons. Ça cause beaucoup de problèmes pour ceux qui travaillent, pour ceux qui vont à l'école, pour ceux qui fréquentent l'université. Ça veut dire que quand vous habitez Canggu, si vous voulez arriver au bureau à 7h, parfois 8h, il faut quitter la maison, en tout cas pour les plus avertis, les plus prudents, à 5h du matin. Et vous voyez que ça donne des cauchemars. Ah, vous rentrez tard, vous vous levez très tôt, tout ça pour fuir le bouchon. Alors qu'en temps normal, on peut quitter chez soi à 7h et à 8h arriver au boulot. Et tout ça, ça énerve la population. Et donc, les élus de l'UDEPES ont voulu en avoir le cœur net, savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce un problème de financement? Est-ce un problème de détournement de fonds? Est-ce un problème de la lenteur de ceux qui sont commis à l'exécution de ces sauts de moutons, pour que les responsabilités soient établies et que chacun tire les conséquences de ces actes? Voilà le sens de cette descente d'aujourd'hui des élus de l'UDPS et des alliés. Voilà, donc on a fait la première étape, saut des moutons à Debonhomme. Mais je vous assure, vous ne savez même pas marcher. Là, vous allez voir ceux qui viennent du côté de l'aéroport et qui rejoignent le centre-ville. C'est la mort. C'est la mort. Ville indien depuis de Bonhomme. Aujourd'hui, on dirait jour à Libabé. De là exacté. T'as la bouchon. Bouchon est outil banda de Bonhomme. Banda Bitabé. Tiawa. Ce n'est pas normal. Alors, il faut en avoir. Qu'est-ce qui se passe? Non, en place, on est encore stationné. Ça va être aux 500 sur mon papier mouchoir. Ok, non, mais on va dans la route secondaire. Comme ça, on a courage.
y a qu'on continue. On a énergie dans les aramaï. Si on a mis les maïté, on a ramabé. Yeah,